Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Ultra Pixelmon, épisode 3 d'Ultra Pixelmon. Aujourd'hui, on va créer notre arène et je vais directement vous laisser avec un timelapse. Ok, donc comme vous le voyez, voilà notre arène incroyable, arène de type poison, plutôt sympa je trouve. Alors l'idée c'était de faire un petit peu un Smogogo de Galar, donc il y a l'énorme tour un peu grise comme ça, et le gaz toxique de Smogogo de Galar avec notamment une petite Pokéball au-dessus de la tour. Je trouvais que c'était vachement sympa. Alors les tuyaux, on m'a dit qu'ils étaient peut-être un petit peu trop carrés, j'essaierai peut-être de rectifier ça. Donc voilà, après le problème c'est que bon, il n'y a pas énormément de blocs en largeur, donc c'était compliqué de faire les détails, mais je trouve qu'il est plutôt sympa. Alors à l'arrière on a encore on a un petit bâtiment ici, pour pas que ça soit trop circulaire et tout, et encore un tuyau, ça fait un petit peu arche je trouve, donc c'est pour ça que j'ai mis ces petits tuyaux, je trouve ça sympathique. Et ici on a des espèces de petits réservoirs, voilà, donc l'idée... ça va être du coup je pense de faire passer les joueurs dans les tuyaux quand ils passeront à l'arène. Alors l'arène, l'intérieur n'est pas encore fait hein. C'était surtout le design extérieur, le gros bâtiment extérieur qui a été fait. Mais je trouve que ça rend vraiment sympa, on a l'impression que ça fait une lune un peu de glace en haut, c'est trop bizarre. Mais je trouve ça vraiment sympathique. Et donc voilà, et en plus on aura un peu de place dans le bâtiment pour faire des épreuves un petit peu à ceux qui viennent dans l'arène. Donc voilà au niveau de l'arène, je trouve elle est plutôt sympathique. Et donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez un petit peu dans les commentaires, n'hésitez pas. En plus, regardez-moi ça avec la lune qui passe en fond de cette Pokéball en vert là, c'est vraiment sympathique je trouve. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, et il y a pas mal de d'autres trucs que j'ai eu aussi entre temps, donc je vais vous montrer tout ça.
Voilà, alors comme d'habitude, hein, je profite pour vous rappeler que si vous souhaitez jouer à Pixelmon, il y a un très bon serveur Pixelmon qui s'appelle Pixelmon World. Il y a tous les liens en description, vous pouvez aller tout simplement faire une aventure, battre les arènes, battre la ligue, etc. Donc c'est plutôt sympathique, il y a tout en description si vous souhaitez rejoindre le serveur. Et d'ailleurs, j'ai aussi fait une petite série hein, sur ce serveur, donc vous trouverez aussi la série normalement sur ma chaîne YouTube. C'est une série que j'ai faite il y a assez récemment, où je découvre l'aventure sur Pixelmon World. Donc si vous souhaitez découvrir, vous pouvez aussi aller voir la petite série que j'ai faite sur le serveur. Alors, hop, on va aller tranquillement au centre Pokémon, et comme vous le pouvez le voir, et je vous ai montré dans la vidéo, j'ai capturé un Lunala, tout simplement, quand je faisais mon arène, j'ai capturé ce petit Lunala. De plus, j'ai eu deux nouveaux Shiny, chaque Ripan que j'ai trouvé justement près de mon arène, alors j'ai les touches qui sont cassées. Voilà, donc j'ai eu le petit Lunala, plutôt propre, hein, le petit Lunala. J'ai pas regardé 6 IVS, on va regarder ça tout de suite, IVS 6... 64. Ça va être pratique, Lunala, pour notamment farmer des boss et aussi aller dans les ultra-dimensions. J'ai eu petit chat creepant shiny, en plus shiny carré, hein, j'avais pas de shiny carré. Donc voilà, et l'ombre en shiny, plutôt sympathique aussi l'ombre. Donc ça fait plutôt plaisir. Donc, comme vous le voyez aussi au spawn, ça a plutôt avancé, je vais pouvoir faire une petite visite un petit peu du spawn. Ça va être plutôt cool, alors la base Abicto est toujours ici. Et là-bas, comme vous le voyez, on a un poulet maintenant. Tout simplement parce qu'on a un nouveau mode qui s'appelle Roost et qui nous permet tout simplement de faire des poulets. Qui nous donne différents trucs, du gravier, du sable, etc. Et donc là, il y a un petit vendeur de poulets qui vend des poulets non craftables, parce que de base, c'est des poulets qui doivent spawn naturellement. Sauf que malheureusement, bah, à cause de Pixelmon, il y a des poulets, enfin des spawners qui ne spawnent pas, tout simplement. Et du coup, comme vous le voyez, en fait, on a un petit poulailler ici. C'est plutôt sympathique, ce petit bâtiment, Crafou a construit. On a une nouvelle base qui a été faite, je crois que c'est la base d'Antonin, c'est ça. Donc, qui est plutôt sympathique. On a la maison de Grevious aussi à côté. Voilà, on a un phare, je vais vous montrer un petit peu après le phare. Il y a vraiment énormément de nouveaux trucs hein, au spawn. Donc on a le phare, on a... on va aller là-bas. Il y a des nouvelles petites constructions aussi qui sont en train de se faire. Là, il y a des gens qui ont délimité les terrains pour bâtir des trucs. Alors un petit étang aussi, j'avais pas vu ce petit étang. Ça doit être nouveau. Alors ici, on a une ferme, je crois, à Pokéball qui est en train de se faire. Donc c'est Goldon qui fait une petite ferme à Pokéball, je crois. Donc voilà, hein, il est en train de faire ça tranquillement. Ici, on a un petit magasin d'échange de CT, de DT, etc. Donc ici, c'est un dépôt. Et ici, eh ben, on peut récupérer des trucs un petit peu comme on veut. Voilà, puis il y a des rayons et tout. C'est plutôt sympathique, je trouve. Ça permet de faire un petit peu de l'échange sur le serveur. Voilà, ici, on a un bâtiment qui devrait être construit. Donc ça, c'est là pour l'emplacement... C'est les bishops, c'est pour les bicyclettes, c'est les bicyclettes qui va être ici. Ici, on a un petit magasin de fer, tout simplement bah, grâce aux poulets. Hein, si on regarde, on peut aller voir à l'extérieur, enfin à l'intérieur. On a des petits poulets là qui font du fer, qui font plein de fer eux, et du coup, il y a tout le fer qui est envoyé à l'avant. Et là, on peut venir prendre du fer, et vous voyez qu'il y a énormément de fer. Regardez ces blocs de fer, il y a plein de blocs de fer. Donc on peut venir acheter du fer ici. Voilà, c'est plutôt pratique, ce petit établi de fer. Et donc voilà, et on peut aller aussi dans le petit truc là, on va aller voir là dans le phare, je vais vous montrer un petit peu le phare, qu'est-ce que c'est. Alors, aussi, petit truc là, il y a des gens qui ont fait un petit, comment ça s'appelle, une petite baie là, tranquille, on peut aller à la piscine, une piscine là, j'ai pas vu, un petit sauna, tranquille dans mon sauna là, posé dans mon sauna, une petite plage ici, c'est sympathique. Hop, et ah bah vous voyez, ça c'est ça la ferme à gold. Il est en train de faire sa petite ferme à Pokéball là. Oh, c'est assez compliqué ça. Il essaye des trucs, après il y a des trucs qui ont été modifiés, du coup et tout ne fonctionne pas comme il veut, du coup c'est assez embêtant. Alors, si on descend ici, hop hop hop, on arrive tranquillement dans le phare d'Ultra Pixelmon. Et le phare d'Ultra Pixelmon, c'est du coup, en fait à l'époque on avait des... Il y a même la lumière hein, sur le phare, ça c'est incroyable. À l'époque sur Ultra Pixelmon, on avait des boss, dans les tours à boss qui existaient de base avec Pixelmon. Sauf que malheureusement ça n'existe plus. Du coup, on a fait une tour à boss pour tout le monde ici. Donc qui est accessible avec des boss qui spawnent, faut attendre un petit peu, des fois ça prend un petit peu de temps. Mais qui permettent à tout le monde d'avoir des boss et de pouvoir avoir les loot des boss. Surtout qu'il y a pas mal de loot à avoir et que ça risque d'être un peu compliqué de juste attendre pour trouver des boss. Donc voilà, cette petite ferme à boss, elle est ici et ça fait plutôt plaisir. Voilà, et du coup, ce qui est intéressant aussi avec cette ferme, enfin avec ce spawner, c'est qu'on peut avoir les loot, notamment, je vais avoir besoin d'un loot, moi, c'est celui de Lunala. Je vais avoir besoin de la flûte pour pouvoir jouer de la flûte et partir dans l'ultra dimension. Ça, je pense qu'on essaiera de le faire, vu que maintenant j'ai un Lunala, je pense que ça peut être assez drôle à faire. Donc je pense qu'on va essayer de faire ça à l'occasion. Alors, hop, j'ai tous ces shiny, là, faudra que je m'en occupe. Je pense qu'on va essayer bientôt de confectionner une team d'arène. Alors finalement, je pense que je vais pas prendre Cradopo.
Je vais le laisser ici pour l'arène. Je vais pas le prendre. Je vais plutôt prendre. J'ai prévu ma team. Donc je vais prendre Toxizap. Et je vous montrerai les autres au fur et à mesure. Mais je pense que ça va rester comme ça. Je pense qu'on va enlever Miaouss aussi de la team là. Je pense que notre team va être plutôt pas mal. Dans Chakripant, on va l'enlever aussi parce qu'il est un peu nul. Qu'est-ce qu'on peut prendre à la place de Chakripant? On va en prendre Toxizap, je pense. Histoire de le pex un peu. Voilà, je pense qu'il va y avoir une team un peu comme ça déjà d'aventure pour commencer un peu l'aventure tranquillement. Il y en a qui s'amusent ici. Je sais pas ce qu'ils font. Mais. En plus, vous voyez, il y en a, ils s'amusent à faire des petites décorations pour leur magasin. Là, c'est pour le Porygon Depot, donc c'est le dépôt de CTCD. Donc ça va être vachement cool. Il y a vraiment des trucs sympathiques qui sont en train de se faire sur le serre, donc ça fait plutôt plaisir en vrai. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au fur et à mesure. Bon, là, le souci, c'est qu'on a encore plein de Pokémon, du coup, ça spawn en. Enfin, c'est qu'on est beaucoup au spawn, du coup, ça spawn en masse et ça fait un petit peu lag. Mais c'est vrai que ça rend un truc plutôt sympathique, je trouve. Alors, on va tranquillement, je pense, retourner. On va aller, je pense, Pex. D'ailleurs, il y a une arène, une arène, je vais vous montrer ça. Voilà, donc on se retrouve alors, on est dans un petit village là, c'est Rafo qui a aménagé, non, c'est pas ce que je voulais faire, on va déclarer forfait, ah quelle erreur, ah bon bah je vais devoir la tuer, tant pis pour elle, mais en gros c'est Rafo qui a trouvé cette petite arène, et donc il l'utilise pour Pex, donc c'est plutôt pratique en vrai. Hop, on va juste tuer ce petit monsieur là qui essaie de m'agresser. Mais du coup c'est plutôt pratique cette petite arène pour Pex. On est dans un petit village là, elle est assez éloignée. Mais du coup, bah, l'idée c'est tout simplement d'aller dans l'arène. Ah mais ils ont pris les badges là, j'avais pas vu, mais normalement il y a des badges je crois. Hop, et alors je sais pas si ça marche. Non, ça marche pas dans ce sens. Mais en gros, on peut, hop, si on passe par là, clac 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 clac, on arrive directement face à la championne et on peut tout simplement Pex en combattant la championne en boucle. C'est une stratégie qui a été mise en place par Rafo et qui permet du coup de pex tranquillement, donc c'est plutôt utile. Je pense qu'on va pex un max histoire de pouvoir faire évoluer notamment des shiny. Là j'aimerais bien avoir des shiny en évolué. Du coup on se retrouve après. Ok, alors je viens de vérifier avec une commande qu'on a qui est plutôt pratique, c'est PWiki. Qu'on notre Lombrain évolue en fait, j'avais oublié ça, j'avais peut-être oublié. Il évolue avec la pierre eau. Du coup on va récupérer une pierre eau. En vrai ça va, il y a pas mal de pierres eau ici. Puis ça va pas détruire totalement le paysage en soi, donc je vais les récupérer ici. Mais du coup on va faire une petite pierre haut pour faire évoluer notre Lombre, parce qu'apparemment Ludicolo est vachement stylé. C'est vrai que j'aimerais bien l'avoir dans notre team, le petit Ludicolo shiny. Hop, en plus ça devra aller vite hein, parce que j'ai une, comment ça s'appelle, une pioche fortune. Ok, très bien, alors une table de craft, où est-ce qu'il y a des... Ah bah il y a une table de craft là, parfait, une table de craft, incroyable. Hop, on met nos fragments de pierre haut, parfait, on a notre pierre haut. Et on va mettre Lombre. On va le faire sortir de sa petite Pokéball. Ah, il sort l'ombré. Les pierres haut. Incroyable. L'ombré évolue. C'est incroyable ce qui se passe actuellement sur vos écrans, mesdames et messieurs. Notre l'ombré shiny qui évolue directement en face de vous. Waouh, voilà. Ludicolo shiny. Oh, il est stylé en vrai. Oh, il est stylé. Ah, je trouve qu'il a un petit style quand même, le petit Ludicolo shiny. Je trouve qu'il y a un petit quelque chose quand même. Ah, oh, il est grave stylé, je trouve. N'hésitez pas à mettre en commentaire un petit nom pour notre petit Ludicolo Shiny. En vrai, il est vachement stylé, je trouve. Bon, allez, moi je vais aller texte tranquillement tous les autres Pokémon et on se retrouve une fois que, bah, que j'ai fait évoluer, je pense, tous nos Shiny. A tout à l'heure. Alors, hop, on va prendre ça. Et petite évolution de Ramboum qui va évoluer en Brouhamam Shiny. Incroyable. Je sais même plus à quoi il ressemble, Brouhamam Shiny. Alors, ça de suite. Attention, incroyable. Allez, attention, attention. Il est horrible. Il ressemble à rien, hein, shiny. Genre, il n'y a même pas de différence. Genre, je sais même pas pourquoi je l'ai pris dans ma team. J'ai loot un petit tough chance, donc ça régale. On va pouvoir pex beaucoup plus rapidement. Bon, par contre, du coup, on va l'enlever ce Pokémon, hein, parce qu'il est vraiment éclaté. On va prendre... Tiens, on va prendre des Ledel, je pense. On va pexer Ledel. Alors, normalement, on va avoir une nouvelle évolution, celle de mon petit Ledel à multi-exp incroyable. Qu'on loot un multi-exp et en plus on fait évoluer notre Mirondelle en Ledel. Qu'est-ce que c'est beau. Attention, attention. Incroyable, un nouveau petit shiny. À quoi va-t-il ressembler? Il doit être ouvert. Ouais, ouais, bon. Allez, il est ouvert. Ouais, on va dire qu'il est à peu près potable. À peu près, hein. Parce que bon, faut pas abuser non plus. Soit. Bon, on va récupérer l'œuf chance. On va le mettre sur chaque ripan. Et on va mettre le multi-exp sur... Toxizap, je pense, histoire de pex un peu. Parfait, hop, on va pouvoir ranger notre petit Teledel. Et on va faire évoluer notre petit branche maintenant, je pense. Incroyable, notre starter évolue enfin. On va enfin avoir la dernière évolution de notre starter. Oui, il grossit jusqu'à où? Oui, il est minuscule finalement. Incroyable, Gorythmic. Petit Gorythmic. Bon, je sais pas si on va vraiment l'utiliser au final, lui, hein, mais. On l'a, quoi. Il est là. Il est dans la place. Incroyable, Toxizap qui évolue directement.
Alors, lequel on va avoir? Je sais pas si on va avoir la forme grave ou aiguë. La forme grave. Bon, c'est pas ma préférée, honnêtement. Je préférerais avoir la deuxième. On essaiera peut-être d'avoir l'autre. Parce que celle-là, elle est pas insane. On va enlever ce truc-là. On va essayer d'avoir l'autre, je pense. On va le garder dans notre team pour le moment, mais on essaiera sûrement d'avoir notre forme. Alors, chaque ripon évolue, incroyable! Léopardus, je sais pas comment il est en shiny, pareil. Parce que lui, on voit pas trop, en fait, la différence. Après, il a les petits carrés. C'est comme ça que je l'ai vu, en vrai. Hein. C'est les petits carrés du shiny que je l'ai vu. Mais c'est vrai que la différence n'est pas flagrante, en fait, sur ce Pokémon. Très bien, hop, on va récupérer notre petite œuf chance. Je sais pas sur qui on va le mettre, en vrai. Je pense qu'on va le mettre sur Lunala, comme ça, il va monter le plus vite possible, level 100. Ce serait plutôt pratique. Il me reste Meowth à évoluer. Je crois qu'il était venu niveau 28, donc ça devrait être plutôt rapide. Incroyable, Meowth évolue. Bon, finalement, j'ai utilisé Super Bonbon. On va voir ce que ça donne en Meowth. En persian plutôt. Persian shiny. À quoi il ressemble? Attention. Ouais, bon. Bah, il n'y a pas grande différence hein, quand même. Ok, très bien. Très bien, très bien. Bon, au final, j'ai fait tout évoluer. J'ai récupéré le multi-exp du persian. On va enlever persian. On va reprendre Kaorin, je pense. On va enlever Léopardus. Il me faudra un dernier, un last là pour ma team. Je pense qu'on va rester avec 5 Pokémon comme ça. À ce heal un coup. Histoire d'être bien, et en vrai ça va là, je pense qu'on a une petite... Enfin la team n'est pas insane, mais en soi, je pense que ça peut déjà faire le taf. Hop, on va heal notre Lunala, parfait. Et on va vite faire tourner à la base, donc slash spawn. Et ce que je voulais faire, c'était, ben du coup, retourner à la base temporaire, hein, pas à la vraie base. Donc je vais directement aller là-bas. D'ailleurs on peut monter sur Lunala, donc c'est plutôt cool, je crois. Ouais, on peut monter sur Lunala, regardez. C'est comme s'il nous portait en plus, c'est beaucoup trop stylé. Ok, on se retrouve à la base. Alors, ce que je voulais faire aussi, c'est comme vous avez vu, j'ai eu énormément de loot. Notamment, pof pof pof, bon alors, décédé, ça c'est les mémoires pour Sylvalier, donc on s'en fout. Mais j'ai eu des orbes vie et une orbe toxique. Donc, ces orbes, on va les garder. Pourquoi? Parce qu'on peut faire la handcrafting table. Alors, j'ai de la cobble qui est là, je crois que c'est comme ça qu'elle se craft. Ctrl O. Handcrafting table, c'est celle-là. Donc c'est une table de craft entourée de cobble. Donc on va faire ça. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'uncraft des trucs tout simplement. Hop. Alors on fait clac et clac. Et on entoure ça de cobble. Parfait. Et là on a notre uncrafting table. Et avec ça on peut décrafter des trucs. Alors il y a des trucs qu'on s'en fout, on peut pas les décraft. Vous voyez tout ça, on peut pas les craft. Mais normalement l'orbe vie, et ben on peut la décraft. Et ça nous fait une étoile du nether et une orbe. Ou l'orbe toxique, ça nous fait des boues noires et des orbes. Alors on va décraft l'orbe vie. Comme ça on récupère une orbe et une étoile du nether. Et on va pouvoir, bah déjà avec l'étoile du nether on fera des beacons. Mais avec l'orbe on va pouvoir la mettre, enfin la remplir. Pour prévoir pour un légendaire. Donc par exemple là j'ai des fragments de pierre feu. On va pouvoir utiliser des fragments de pierre feu, et la combiner avec mon orbe, et hop, on a une orbe des âmes ardentes, enfin des, oui, des âmes ardentes, qu'il va falloir qu'on remplisse. Donc là, elle est à 0, et le but, ça va être de tuer, du coup, je crois que c'est 250 Pokémon, donc par exemple, en vrai, ça va être rapide. Ce que je ferai, c'est que de toute façon, je farmerai en off, mais du coup, par exemple, là, hop, vous voyez, je viens d'en tuer un, et du coup, notre orbe a eu un de plus, alors c'est 375 qu'il faut tuer. Donc je vais tuer mes 375 Pokémon, je pense, en off. Mais je pense qu'on va s'arrêter là, de toute façon, pour cet épisode, parce qu'on a bien avancé sur cet épisode. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On a quand même build une très belle arène, je pense qu'on va aller là-bas vite fait. Enfin voilà, du coup, là, vous voyez, par exemple, j'ai tué un Pokémon, il me reste 374 Pokémon à mettre KO. Donc je les tuerai en off, mais je pense qu'on va se laisser là pour ce premier, enfin pour ce troisième épisode. En tout cas, moi, j'espère que cette arène vous aura plu, la construction de cette arène, elle est plutôt pas mal je trouve. Donc dites moi si elle vous plaît dans les commentaires. En tout cas on va s'arrêter là, du coup n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Et nous on se dit à samedi normalement pour un prochain épisode d'Ultra Pixelmon saison 3. Allez, ciao ciao ciao.